Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un masque au crochet. Donc, celui-ci est pour femme. On va travailler ici sur 21 mailles. On va commencer par une chaînette de 10 mailles. Et on va faire les attaches ici qu'on met à l'arrière des oreilles. Et on va avoir besoin d'un ruban à mesurer. Que voici un crochet 4,50, 4,5, 4,5 mm et de la laine de coton. Moi j'ai choisi la Bernat, que voilà. J'ai cette couleur là et aujourd'hui dans le tutoriel on va utiliser cette couleur là ici. Donc je me prépare et on se retrouve. Pour commencer, on va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ensuite, je fais une maille en l'air. Oups! Une maille en l'air avant de commencer mon travail. Voilà. Donc, on va travailler seulement qu'en mailles serrées. Donc, je vais faire 10 mailles serrées. Et on va faire 3 rangs comme ça. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une maille en l'air, on tourne, donc on continue, on fait 2 rangs et on se retrouve. J'ai déjà fait mes 3 rangs, maintenant on est prêt pour commencer les augmentations. Je vais juste démêler mon fil, voilà, donc je fais une maille en l'air. Et je tourne mon travail. À chaque rang, on fait 5 mailles serrées et on, rendu à la 6e maille, à chaque rang, on fait 2 mailles dans une maille. Donc, première maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, dans la 6e maille, ici, on fait 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Et on continue le reste en maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, une maille en l'air, on tourne et on fait la même chose. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, oups, 5. Dans la 6e, on fait 2 mailles. 1 et 2.
Donc ici, on a 5 mailles. Une, deux, trois, quatre et cinq. Une maille en l'air. Vous faites ça tout le long jusqu'à temps que vous ayez atteint 21 mailles pour un masque pour femmes et 27 mailles de largeur pour le masque pour hommes. Si vous n'êtes pas certain, je vais vous donner juste une petite idée. Vous pouvez aussi mesurer l'arche de votre nez jusqu'en bas du menton et ça va vous donner une idée de la largeur que vous avez besoin de faire. Donc ici, moi, elle est déjà bloquée, celle-là. Donc c'est sûr, ça rapetisse un petit peu. Donc ici, j'ai 16 cm. Juste pour vous donner une idée. Donc, si vous voulez avoir 17 cm, donc vous faites un rang supplémentaire. Dans ce cas-ci, j'ai 21 mètres, donc vous faites, ça va tomber à 23 mètres. Donc, je continue. Tous les rangs ici vont être écrits ici en haut. Vous allez voir là dans le haut de l'écran. Parce que je n'ai pas fait de patron. Donc en suivant ici, en même temps, ici, juste là, là, vous allez voir, tout va être inscrit du rang 1 jusqu'à la terminaison. Donc on continue. On va faire nos 5 mailles serrées. 1. 2, 3, 4 et 5. Et ici, on fait notre augmentation. 2 mailles dans une maille. 1 et 2. Et on continue le reste en maille serrée. Voilà. Donc, on continue comme ça. Et lorsqu'on aura atteint nos 21 mailles, on se retrouve. Je suis rendue ici, dans ce rang-là, ici, j'ai 19 mailles. Là, j'ai fait mon rang suivant, que je vais être rendue à 20 mailles. J'ai déjà fait mes 5 mailles ici avec mon augmentation. Donc, je vais arriver à mes 20 mailles et au prochain. Au prochain rang, je vais avoir 21 mailles et après, je vais faire 3 rangs de mailles serrées et ensuite, on va commencer à faire nos diminutions. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Je fais maintenant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6 et je fais ma 7e dans la même maille, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà. Fait que je vais en faire un autre parce... Oui, c'est ça. Là, je t'ai rendu à 21. Maintenant, je vais faire 3 rangs sans augmentation. Donc ici, je vais faire ma maille en l'air. Et 3 rangs sans augmentation et sans diminution. Donc, je vais faire mes 3 rangs et on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 3e rang sans augmentation. Et ensuite, on va commencer à faire les diminutions. Je vais juste compter après, voir si j'ai toutes mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parfait. Donc, on fait comme tantôt. On fait 5 mailles serrées. Et au lieu de faire une augmentation, on fait une diminution. Donc, on fait une, deux, trois, quatre et cinq. Et on pique dans la sixième, on ramène la maille. On pique dans la septième, on ramène la maille. Et on passe le fil dans les 3 brins. Et on continue. Au prochain rang, on va faire exactement la même chose. Et à tous les rangs, jusqu'à ce qu'on ait atteint 10 mailles. Et voilà, une maille en l'air. On tourne, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une diminution dans la sixième. On ramène la maille et dans la septième, on ramène la maille et on passe au travers des 3 brins. Et on continue en maille serrée jusqu'à la fin du rang. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint 10 mailles au total. Je viens de compléter le rang où ce qu'on a 12 mailles. Maintenant, je vais faire le rang pour atteindre 11 mailles. Donc, je continue mes diminutions. 1, 2, 3, 4.
et 5. Ici, je fais 2 mailles comme ça ici. Je vais les chercher, faire ma diminution. Donc, je calcule celle-là pour 6 mailles. Donc, c'est 7, 8, 9, 10 et 11. Une maille en l'air, je tourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ma diminution et je vais chercher l'autre maille ici, dans les 2 mailles, et je tire. Et ça, ça fait 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, maintenant, on voit la forme du masque. Maintenant, on va faire 3 rangs en mailles serrées, sans diminution, sans augmentation. Et on va terminer là. Donc, une maille en l'air. Et on fait 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on continue. On fait nos 3 rangs et on se retrouve. Je suis en train de terminer le 3e rang. Il me restait 5 mailles à faire. Et voilà. Maintenant, une maille en l'air, on va faire une chaînette de 25 mailles et on va aller se rattacher ici. Ici au bout. C'est ce qui va accrocher en arrière de nos oreilles. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, on va se rattacher ici. Donc, on va l'enlever. On va rentrer ici. Et on va faire une maille serrée. Une maille serrée. Une maille en l'air. Oups. On recommence. Une maille serrée, une maille en l'air, et on va couper notre fil. On va s'en garder un petit peu pour pouvoir le rentrer comme il faut, pour pas que ça se défasse. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire 25 mailles en l'air. Je vais juste m'ajuster ici, l'enlever, entrer ici. Et comme ça ici, je vais faire une maille serrée. Et une maille, puis je vais faire 25 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, je l'enlève, je vais passer mon crochet ici, juste ici. Voilà. Donc, je vais faire une maille serrée.
une maille en l'air. Et j'en vais en couper un petit bout et je vais rentrer mon fil. Et voilà, notre masque est fait. Maintenant, si vous désirez, ici, moi, j'ai mis un tissu en coton, 100% coton. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est plier votre masque. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis pris après un genre de papier ciré ou un papier pour faire des patrons de couture que vous trouverez dans vos, soit Walmart ou dans vos magasins de tissus. Et j'ai mesuré complètement au complet. J'ai fait le tour et j'ai plié mon tissu en deux et je l'ai découpé. Et j'ai plié les bords comme ça ici, environ 1 cm, et je l'ai cousu. Vous pouvez le coudre à la main ou à la machine. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est tout pour... Là, je vais rentrer mes fils, bien sûr, et je vais pouvoir le bloquer. Il faut le bloquer absolument avant de coudre le tissu en arrière du masque. Et comme ça, vous êtes bien protégés. Et il n'y a rien qui passe au travers. J'ai essayé d'éteindre une chandelle avec. Et elle ne s'éteint vraiment pas. L'air ne passe pas du tout au travers. Voilà, c'est tout pour mon tutoriel d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et sur ce, on se dit à bientôt!